James Bond, James Bond. Bel gosse. Oh. Ned Stark. Miskin, Miskin. Oh, Miskin. Le Miskinatos. Ouloulou, il est pas bien ce James Bond. Mon nom est Brock, James Brock. Ouloulou, bienvenue sur ABBA Live pour ce nouveau SVE numéro 8. 008 ABBA Live, 007 James Bond, SV8. C'est pour toi, mon Nico, c'est cadeau, la saveur de ton enfance, GoldenEye. Toi, mais tu le sais. Ah! Bon, bah, c'est parti. Du coup, qu'est-ce que GoldenEye? Qui ne connaît pas? C'est un peu le grand-père de tous les FPS modernes, quoi. Genre, avant, il y avait Doom, enfin, il y avait Wolfenstein, Doom et Duke Nukem. Ils étaient là, ils se battaient, ils étaient là, oh trop bien, c'était sur PC. Et là, ils se sont dit, Nintendo, là, les gars, ils sont arrivés, ils sont là, eh, oh, Mario et tout, c'est bien. Oh, Zelda, c'est bien. Oh, Pokémon, non, ça n'existait pas à l'époque, Pokémon, c'était le bon temps de Nintendo, l'âge d'or de Nintendo, puisque après, Pokémon, voilà, ça fait Pikachu, Raichu, et puis voilà, après, direct, troisième Reich, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Au Bengouz ou pas Bengouz? Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui marche? James Bond, ça marche. Le film était sorti 3-4 ans avant. Ils se sont dit, tiens, on va faire un jeu, on va révolutionner le monde du FPS. On est Nintendo, on est comme ça. Enfin, Nintendo et Rareware. Ils ont fait... Il y a Shigeru Miyamoto, il a fait... Allô, James Bond, tu veux faire un jeu? Il a fait, ok, je fais un jeu. Je suis chaud, je suis Pierce Brosnan. Après, je sais que je vais être remplacé par Olivier Besancenot à la tête de la licence James Bond, donc du coup, je veux bien faire un jeu, révolutionner le jeu vidéo. Du coup, ça s'est passé comme ça. Ils ont fait... Ils sont appelés James Bond, donc du coup, lui, t'es chaud. Ils ont appelé Rareware, ils ont fait « Hey, Rareware, t'as fait Donkey Kong, le truc là, Conquer Bad Fur Day, ça c'était bien ça. T'as fait Banjo et Kazooie. Bon, maintenant, faut que tu passes au level au-dessus. Faut que tu fasses James Bond. Là, les gars, ils se sont dit, James Bond, qu'est-ce que c'est James Bond? On va faire quoi? Il y a un nouveau film? Non, vous allez faire GoldenEye avec Sean Bean et tout qui meurt à la fin, tu vois. Moi, j'ai spoilé le film pour les gens, mais bon, voilà, c'est James Bond, le méchant il meurt à la fin, tu vois. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, ok. Ok, on accepte le jeu, on va révolutionner le monde du FPS. Le gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le jeu. Ils ont fait un FPS de ouf. Ils ont créé le mode multijoueur des FPS modernes. Les gars, rien que ça. Et en plus, c'était genre en mode... ils l'ont bidouillé en mode avec les pieds, tu vois, genre en mode... c'est genre un mode alternatif. Mais non. En fait, après, c'est... Tu vois, l'écran splitté à 4, tu lookes pas, c'est eux qui l'ont inventé. Tu vois, là, genre, t'es là, tu joues... regarde pas mon écran Oh, il est dans l'école et tout. Il est dans la maison. Nocturne. Ouais, mais Nocturne, il y a deux maisons, donc tu vas faire quoi? Deux maisons, c'est facile, on peut pas se cacher. À part s'il y avait, on pouvait se cacher sous la caisse, comme ça, en mode sneaky Star Cream, tu vois. Plouf, sniper, mais bon. Là, voilà. Du coup, ils ont décidé de faire ça. Et du coup, ils ont révolutionné le monde du jeu vidéo. Voilà. Bon, voilà, ça suffit pour le cours d'histoire, donc on est dans la mission Arkhangelsk, qui est une ville de Dordogne, et la première partie, DAME, c'est ABBA in shape, en bonne forme, tu vois. Là, je tape mon gros bide, mon médaillon touche à mon pénis. Du coup, il y a difficulté agent, secret agent et 00 agent. Bon, moi, vu que je suis un peu une tarlouse,
Je vais prendre le truc agent. Parce que il écrit Bungee Jump for Platform. Ça veut dire Bungee Jump of the Swag. Bon allez, start. J'ai peur les amis. Damn. Bing bing. Archangeles, Dordogne. 9 ans plus tard. Regardez ce move. T'es obligé de faire ce move quand t'es un espion, genre gauche droite, tu vois. Ça c'est un peu. Donc du coup, voilà, on est dans. Là vous êtes là. Hein, moi je joue à Battlefield. Je suis un ouf. Battlefield 1, trop bien, tu vois. Mais non, tu joues à ça. Rien de tel que ça. Bon après on va faire la technique JDG. Là normalement on devrait nous voir, mais bon. Vu que mes pieds ils sont cachés par ça, il ne me voit pas. Et du coup je vais lui sniper la tête. Non, je vais lui balancer une balle dans le cœur. Oh non, je suis mort. Ouloulou. Là, il y a un mec en face, je vais essayer de le sniper aussi. C'est bon, il est mort. On va se la jouer un véritable James Bond, quoi. Enfin, faux James Bond, puisque... C'est bon, il est décédé. On va essayer de passer tranquillou, puisque là, il y a des... Des mecs un peu chauds en face. Ils m'ont pas repéré. Ah si, ils m'ont repéré. Je prends le sniper. Je vise. Ah. Ah oui, il y a les vitres. Il y a les vitres. Bon, je prends la calache. Pire qu'une calache. La vie c'est dur, suffit pas de le dire. Je vois des choses trash, pire qu'une calache. Ah là, oh là là. Ouloulou. Ah, il est toujours en bas, le fumier. C'est bon, il est décédé. Il est décédé. De Caris. Ou de Booba, j'en vends à pas cher. Du coup, je vais prendre le snipe. Comme ça, on va se mettre bien. Au calme masqué. On est un peu des pro-players, tu vois. Ah, mais pourquoi je tire comme un goyot? Et d'où il m'a vu, lui? C'est le mec en face, il m'a vu. Mais il est fou, lui. Il m'a pris pour Roselyne Bachelot, ou quoi. Bon, c'est un tout petit point. Hein. Excusez-moi de le skill. Hein. Le skill est présent. Bon, on s'en fout. Hop, on peut lui mettre un coup comme ça. On va les tuer à base de coups de dans les valseuses. Donc il me tire dessus là. Oh, arrête de me faire mal. Fumier, fumier. Bon allez. Tu joues le rebelle. Je me rebelle. Mais révolte-toi. Révolte-toi. Punaise. Ça c'est... Ils sont pris pour des soviétiques les mecs. Je prends la calache, passe derrière. Je détruis ça. Petite explosion de rue qui fait mal aux narines. On va dans leur bunker. Allez, prenez ça, bande de chiens, d'infidèles, bande de social traite, de crypto-communistes, à la mort moineux. Allez, rentrez dans votre pays. En Dordogne. Puisque bon, voilà... On sait tous que la Dordogne a été envahie par les soviétiques. Mais bon, ça c'est le gouvernement, il veut nous le cacher. Hein. Bon, ça, c'est un classique. Hein. Un gouvernement qui est pas un escroc, c'est pas un gouvernement, quoi. Voilà. De toute façon, moi je le dis dans mon livre. Hein, et de toute façon, le Japon, dans 3 mois, il est coulé. Faudra lui dire. Hein. Faut lui dire, hé, Gangnam Style, rentre chez toi. Hein, t'as fait 2 milliards, bah, les 2 milliards on les attend. Hein, puisque vous êtes en crise là, la récession, les 2 milliards, hein, c'est Rothschild, ils vont pas les payer tout seuls. Hein? Allez, je te tire dans le dos, puisque moi j'aime l'honnêteté intellectuelle.
Je te tue avant que le camion passe parce que quand Jésus-Christ, la caravane passe. Oui, je comprends pas. Ah, j'ai oublié d'aller chercher le gilet pare-balles. Bon, c'est pas. Ce n'est pas grave parce que moi je n'ai pas besoin de gilet pare-balles car j'ai la puissance des mots. J'ai le poids des mots comme Passy. Comme on rêve d'une vie de château, quand ville ghetto, fils du CONGO, j'ai le poids des mots, j'ai tué le commandant. Je suis le commandant baby! Ouloulou! Commandant baby! Pour les vrais savants, enfin. Après. Les vrais savants se connaissent. Antilles, je vais prendre le méga flingue de général. Général Lee. Et là, regarde, révolution du FPS. Regarde. Je peux pas ouvrir le Dour et Loked. Oh, il y a un cadenas, comme dans les films. Allez, on tire dedans. Et là, ça s'ouvre. C'est pas magique, Tissa. Missa, Tissa, Jar-Jar Binks. Ah, je m'auto-soul, quoi. Je m'auto-clash. Ouloulou. Bon, on va tuer le garde, champêtre. Il se prend pour Michael Vendetta. Oh, calme-toi, laisse-moi grimper à l'échelle. Oh, une balle ne suffit pas. C'est pas une balle à mort, normalement, dans les jeux de type FPF. Une balle à mort. Moi, je connais Call of Duty. Moi, je joue à Battlefield. Voilà. Voilà. Hein? Allez, une balle dans le cœur, une balle dans la teub. Mais tu t'es pris pour qui? Je suis James Bond. Du coup, ça, on n'est pas du tout obligé d'y aller quand on est juste un agent simple. Parce que bon, y a, l'objectif n'est pas à remplir. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas se balader? Je vais me balader. Allez, me balader. Il y a peut-être des trucs sympas à trouver. Genre comme... Ah, mais si, j'ai un bouclier coltique. Mais par où on va? Là, je sais pas où que ça nous mène. Ça fait une scène Star Wars 4 quand Han Solo fait le fifou et il tombe sur plein de stormtroopers. Mais je suis un peu... On m'appelle le Han Solo français dans le milieu du game. Comme Michel Boujna et le Mad Max français. Et Edouard Montout, le Danny Glover français. Voilà, ça c'est dit. Ah, il y a du verre, une paroi en verre. Et les ordinateurs. Ah non, ils se cassent pas ceux-là. Donc du coup, c'est un peu le cybercafé de la base. Si on veut se faire un petit CSGO, toi-même tu sais, on se met là en fait. On est là. On est là. Mais c'est parce qu'il y a un objectif et j'ai le convert modem. Du coup, je vais l'utiliser. Je vais essayer de le placer. On sait jamais. Hein. Convert date cannot be intercept. Ah oui. Donc du coup, ouais, non, ça compte pas vu que je suis pas dans la Xiaomi. Bon, j'ai plus de balles. Je vais prendre ma calache. Calache, calache, comme à Marseille sur les calaches. Sors la calache volée, même si le cross est voilé. Pétard en billet violé, te déshabille pas, je vais te violer. Du coup, on peut voir mes objectifs, c'est bungee jump from platform. C'est bien, en fait, le pose, ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est sa montre. C'est la propre montre de James Bond. C'est ça qui est beau. C'est, hein, alors que, genre, moi je joue à Halo, quand on fait start, il écrit pause. Oh, moi je joue à The Witcher, quand on fait start, le jeu il plante car c'est trop nul. Bah oui, bah frère, fallait pas acheter The Witcher. Moi je joue à Battlefield, quand on fait start, on peut pas puisque c'est un jeu en ligne. Et d'où tu te caches toi? Punaise, les mecs ils sont crus chez leur mère quoi. Bah, super, qui a mis ces bidons d'ordures ici? Super. C'est pas la COP21, c'est bien la Russie. Hein. La Russie de Vladimir Poutine, elle fait envie. Hein. Moi j'ai... Hein Vladoche, comme on dit... Enfin... Voilà, quoi. Vladimir.
Bon bah du coup on va bungee jumper. Just wanna be a bungee jump. Laisse-moi zoom 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 dans mon barrio. Ça fait le fait to me to the air. And you know how to hit to the air. It's gonna be a bumpy style. Et non, parce que pourquoi je vais là-bas? Parce que ce n'est pas la fin du niveau. Et oui, je vous ai trollé. Ah ah ah. Ouloulou, il est pas bien celui-ci. Du coup, on va faire la séquence qu'on appelle clairement le YOLO James Bond. You only live once. Tu ne vis simplement qu'une fois. Hein, c'est un peu comme quand on décide, tiens, oui, je vais aller au Stade de France avec une ceinture d'explosifs. Bah, tu vis qu'une fois. Bah ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Tu seras pas au goûter d'anniversaire de Jordan. Hein? Fallait pas se faire sauter, mon gars. Allez, let's go, baby. Oh non, je tombe. Je vais mourir. Ben non, parce que, oh. Regardez-moi ce Thug Life. Thug Life. Allez, sans protection. Comme avec une crasseuse qui entre dans la mie. Dans la venue de Bidabidou. Non, voilà, James Bond, c'est un Thug Life. Il est là. Thug Life. Il s'en fout de la vie, quoi. Genre, il saute sans corde. Dans l'autre, dans le remake, sur Wii, il faisait le Thug, en fait. Il avait un parachute. Mais sauf les Russes le coincent. Du coup, il balance son parachute sur les Russes. Et ensuite, il saute dans le barrage. Sauf que c'est un barrage qui est pas à angle droit, qui est en pente. Donc, du coup, il meurt pas. Mais... c'est quand même n'importe quoi. Je vous invite d'ailleurs à écouter la bande originale de Golden Age, magnifiquement interprétée. Golden Age, Sunset City, Golden. Après, les gens ils disent eh oui, Skyfall c'est la meilleure musique parce que Skyfall c'est trop bien. Daniel Craig. Oh, Daniel Craig, mon gars, il ressemble à Olivier Besancenot. C'est qui ça? Non. Non, il ressemble à... Je sais pas... À... Le mec, là... Laurent Mariotte, là. Le cuisinier sur TF1. Faut arrêter. Donc, du coup, mes scores. Team, j'ai fait 10 minutes 7. Accuracy, 44. Ouais, j'ai tiré comme un porc. Tu vois. Mais c'est pas grave, on est James Bond. Donc, objectif primaire, entrer dans le laboratoire, rendez-vous avec 006, comme ça je pourrais appeler de la Go. La Go là, c'est peut-être une fille bien, mais moi je préfère les chouin, voilà. Destroy all the tank, donc entre le bottling room, bon, ouais, c'est pas des tanks, c'est des réservoirs d'essence. Et minimise scientifique causality, faut pas tuer de scientifique. Après, oh, il y a un background, on s'en fout. Rien, tu vas à main, je m'en fous. Allez. Attends, Money Penny, ces produits chimiques peuvent bien avec tes phéromones, James. Ne prends pas trop de risques. Elle me drague, la petite meuf, là. Ouloulou, elle veut ma queue ou quoi? Elle est chaude, celle-là. Yes, Skyfall, aide de quoi mourre, Skyfall. Donc là, c'est un classique, parmi les classiques, de James Bond. Non, je vais pas passer par là, puisque les vrais savants se connaissent, anti-S, on se connaît. Le classique meurtre dans les chiottes, quoi. Donc tout d'abord, c'est toujours les mêmes étapes. D'abord la chaussette gauche, enfin ou droite, enfin d'abord le chapeau, et ensuite la tête. C'est quand même l'une des plus belles morts qu'on peut rêver. On est sur le trône comme ça, en mode... Et on se fait tuer, en pleine poussée, là, ça... T'as même pas besoin de te torcher, c'est ça qui est magnifique. Y'a pas de tarlouf, Wifi. C'est une vraie tarlouf, Wifi. T'es une tarlouf, tu veux aussi de tarlouf, Wifi.
Bon, bah, du coup, ils ont voulu Starluzifier avec moi, mais bon, ils peuvent pas, mon swag est trop grand, quoi. Il y en avait pas là de mec. Mec, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. J'aime quand tu shakes, j'aime quand tu shakes, j'aime quand tu bully shakes. J'aime quand tu shakes ton boule, mec. J'aime quand tu bully shakes. J'aime quand tu shakes ton boule de mec, mec. Et ce qui est bien, au révolutionnaire aussi, je vais vous montrer un truc. C'est révolutionnaire. Ah punaise, mais c'est chaud avec cette arme. Attends, je vais faire comme ça. Là aussi, c'est chaud. Ah merde, je me suis fait repérer. Et ils viennent tous à moi. Viens à moi. Et du coup, si je vais juste vous montrer quand j'ai plus d'armes. Ah bah, j'ai récupéré des munitions. J'ai le James Bond. Chin. Oh. Le coup de James Bond. Le James Bond coup. Qui est plutôt puissant. Qui permet de neutraliser des adversaires. Bah, du coup, c'est pratique ça qu'ils soient tous venus à moi. Ah non, pas tous. Oh, Jakku, il t'est mort. Du coup, j'ai récupéré un petit gilet pare-balles. Là, on va fouiller un peu si on trouve des amis beaux. Oh, toi, ça va? Ah tiens, j'ai une carte d'accès. Parfait ça. Non mais les mecs, c'est l'élite de la nation russe et ils sont là. Ah voilà, une body armure. J'ai mis mon body. Bon là c'est le labo scientifique. On va tirer dans les... Ils m'ont dit de pas tuer les scientifiques mais les... Les fioles, j'ai le droit, bon, ça me saoule. Et les tafioles, encore plus. Du coup, on peut passer par là, peut-être. Ah, non, oui, là, c'est un bunker. Ah, mais non. Ah, faut aller dans là. Ouais, puisque ça ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre de l'extérieur. Mais là, j'ai la clé. Je peux appuyer sur le bouton. Security door activated. Et let's go baby. On est là. On est là, heureux d'être ensemble. Ouh. Ah là, c'est les vestiaires. Ça manque de mecs à poil. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, j'accouille. Hein. Allez, prenez ça. Ça fait pas plaisir. Donc là, il y a des scientifiques. Scientifico-chromie. Oh, t'es très laid, toi. Mais bon, je dois minimiser vos morts. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un projet de la reine d'Angleterre pour recruter les scientifiques soviétiques pour faire une arme de type de destruction massive. Mais bon, ça, c'est un plan très machiavélique, tout ça. Je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Je crois qu'il y en a un où on peut lui parler. Time to live, docteur. You need this to open the bottling room. Il m'a donné un truc. Attends, j'ai regardé dans mon inventaire. Dour décodeur. Ah yes, ça fait plaisir. Je vais pouvoir me mettre bien avec les poteaux. Avec le poteau Rico, m'amène. Ouais, c'est bien, frère. Restrings. Bon, bah, on va pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin. J'espère que vous kiffez. J'espère que vous
vous avez passé une bonne année 2017. Que... Oh, tu vas te calmer, toi. Je suis pas ton ami. Encore moins ton cousin. Faut que j'active les portes. Du coup, comme ça, on est bien. Je prends une BOD armure. Ouais, j'espère que vous avez kiffé, même votre entrée scolaire, pas scolaire, le travail. Puisque comme dit notre guide, le travail en nous. Ouais. Ouais, vous savez de qui je parle. C'est un petit moustachu très sympa. Mais il se précipite sur moi, j'ai même pas besoin d'aller les cueillir, quoi. Ah mince, la porte est fermée. Attends, je vais réactiver peut-être. Peut-être que ça va marcher. Ah ouais, mais il y a une autre porte que il est fermée. Ah non, ah yes, c'est un sas en fait. Ah, il y a des scientifiques. Scientifico-chromie. Banco, banque. Vous faites bien votre taf. Hein. Bon, faut que je trouve Alec Travelian. Et qui est 006. Et qui est Sean Bean. Bah, du coup, il n'y a rien dans cette piole. Il y a quoi, pécho, ici? Qu'est-ce que tu me proposes? De oui? Ah oui, sauver les mecs. Te chie, de oui, je sais pas moi. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Pick up and grenade. Et je peux sortir? Ah yes. Merci frère. Merci Ray. Who are you? I'm no one. Ah punaise, il faut que je réactive le réactivateur. Ah ça c'est... Heureusement que... Hein Def, Jérôme Gridelet. Ouloulou, il est pas bien celui-ci. Je pick up some ammo. Ouais, ça ressemble un peu à ton lycée hein, à l'époque. Ah, il y a du scientifique. Mais il y a du soldat aussi. Je n'étais qu'un soldat, la 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 la. La 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 la. Flore en panier. Bon allez, barrez-vous. Je n'étais qu'un soldat, la 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 la. La 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 la. Je suis Jess Bond. Je vous libère du joug oppressif. Du royaume soviétique. Barrez-vous. Je vous accueille dans le royaume de la liberté de la reine d'Angleterre. Qui est une belle gosse. Toi, qu'est-ce que tu faisais tout seul? Tu te pignolais? Et on dirait Lonely Island, les frères. I just had sex. This is the tale of Captain Jack Sparrow. On aurait dit, vous ferez un arrêt sur image et vous checkerez avec le gars là, le chef de Lonely Island, là, celui qui est. Ben voilà. Explication. Celui qui joue, qui ressemble à Barry dans le clip. Toi-même, tu sais. Ah, si, c'est notre. Notre lieu de villégiature. Du coup là je peux ouvrir. Ah y a Alec Travelian. Oh frère, glad to see you. Bon, je vais poser les bombes et on se met bien. For England. Ben oui. Genre, t'es un traître à ta patrie, tu aides les roast beef.
and the other half. Ah punaise. Punaise, ça arrive. C'est chaud. Bon allez, on y retourne. Bon allez, je vais tout péter. Je me barre. Roumoff. Je me barre, fumier. Fumier. Le mec est trop serein pour se barrer, quoi. C'est ça d'être un James Bond. Hein. Donc, on a réussi à gain entrée dans le laboratoire. Rendez-vous avec 006. Détruire les tanks et pas tuer de Kemi. Ça, c'est une bonne mission Rainbow Warrior comme on les aime, quoi. Genre, c'était des militants Greenpeace en vrai, le colonel Roumoff, et moi j'ai été un peu sympa avec eux, quoi. Donc là, runaway, fin de plane, initial key, escape in a plane. En fait, faut que je trouve les clés. Toujours sous la pression, comme toujours, James. Mais Moni Penny, elle veut mon zbou, je crois. Enfin, faudra lui dire. Hein. Je suis pas un mec facile. Hein. Je suis pas un mec facile. C'était ce qu'on s'était promis. À la mort, à la vie. Ah punaise, je suis con. Hein. Je suis bête. Bon, faut que je trouve les clés. Where is the clé? Donnez-moi les clés. Ah bah tiens, il y a une clé. Bon, super, j'ai déjà trouvé la clé. Bon, maintenant, faut que j'aille jusqu'au plein qu'il est là-bas. Il est là-bas. Il y a peut-être du grabuge. Non, même pas. Il y a aucune protection. Mais c'est une mission facile, je m'en rappelle. Ça fera. Mais il y a sûrement en difficulté supérieure. Il y a 15 000 objectifs. Ah oui, on peut même pas entrer dans le bunker. Bon, du coup. Oh lolo, il y a une mitrailleuse. Une mitrailleuse gourde. Ah, j'avais pas prévu cette éventualité. Voilà, mission est finie. 3 minutes. Hein. 3 minutes douche comprise. On a gagné Grace. Oh un shit. J'ai 50% de touche. Mission 2, on n'y va pas. Shit option. DK mode. Donkey Kong mode. Attends, faut que j'essaye. Attends. Donkey Kong mode, attends si ça se trouve. On va faire allez dame. Ah, je peux pas le faire en mode ah punaise, elle me kiffe lover, tu vois, elle dit que je suis un lover, quoi. Attends, Donkey Kong, si y a des mecs c'est des Donkey Kong, ou si je suis Donkey Kong, ça peut faire plaisir. C'est juste un test, hein. C'est, on a gagné un cheat en DK mode, c'est à dire qu'il y a Donkey Kong. Oh yeah, ils ont des têtes géantes.
Oh yes! Oh yes! Trop stylé! Trop stylé! Ils sont encore plus laids! Ah, Starfoula! Starfoula, t'es laid, toi! Oh, qu'il est laid! Oh. Essaye de défendre, mon con! Punaise, mais c'est très, très perturbant. Après, ouais, on va rusher la mission comme un gros porc. Et vu qu'on est Donkey Kong, on n'a pas peur de... On a peur de personne dans Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne. Prenez ça, vous êtes trollé. Vous devez mourir. Ah, t'as bougé de place. Allez, prends ça fumier. Bon allez, je vais reprendre une mitraillette. Chkopo. La mitraillette. Et bah du coup, ça fait plaisir, hein. Des petites options un peu rigolotes comme ça. C'est toujours un bon plaisir. Bon allez. Sur ce, les amis, je vous embrasse. Moi, je rentre à ma maison. C'était James Bond, James Brock pour 008. Golden Age, SVE numéro 8 pour toi, Nico. J'espère que t'as kiffé. Allez, file! Et puis, mange ton nom, croque ta tante. Et puis voilà, après... Après, si tu veux une autre vidéo de type vidéogramme, tu me le dis. Hein. Je suis toujours là, je suis toujours présent, toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Si je vais crever, ou bien mourir, c'est parce que j'aurais bu pastis. Je suis Renault, toujours alcoolo. Je fais style que j'ai arrêté, mais en fait... Non, ça se fait pas de se moquer des gens morts. Voilà, allez, elle a les yeux bleus, Belinda. Allez, je vais aller toucher une ampoule dans ma baignoire, et puis... à ciao, bonsoir, et puis voilà. Est-ce qu'on va vers une France du maréchal Pétain, quoi. Allez, bisous, ciao, ciao. Je vous aime, putain.